verra là, comme on pourra. Donc aujourd'hui, quatre points qu'on a à l'ordre du jour de la rencontre. Je vous rappelle, c'est un ordre du jour qui est ouvert, donc on peut toujours en ajouter selon le temps dont nous disposons. Donc, dans un premier temps, je voulais revenir avec vous sur le calendrier des rencontres. Je vous avais sollicité lors de la première rencontre, là, à savoir quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient prêts à faire des présentations lors des prochaines rencontres? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai eu quand même des offres intéressantes pour des propositions d'animation de points particuliers lors des rencontres. Donc, dans le bloc-notes collaboratif, vous allez avoir le calendrier et les thématiques qui seront abordées. Je vous les rappelle rapidement. Donc, le 6 décembre prochain, il y aura Mylène Goulet de la Commission scolaire Saint-Hyacinthe qui va venir présenter, eux, comment ils ont jumelé des cours. Donc, les parcours qu'ils ont adoptés là, pour des cours, entre autres, le 31-01, 31-02, qui sont offerts simultanément, 03-04, je pense, puis 51-01, 52-01, 52-02, donc, qui sont donnés simultanément. Et je pense qu'ils planchent actuellement sur le 41-03, 41-04. Le 17 janvier, il y aura Stéphane Saint-Pierre, la Commission scolaire des portages de l'Outaouais, qui viendra présenter là, une capsule pédagogique sur la modélisation des étapes de lecture. Le 14 mars, le 7 février plutôt, il y aura Catherine Dalpé qui est avec nous aujourd'hui en ce moment, qui va venir présenter les cours optionnels qu'ils auront développés en 52.05, 52.06. Puis enfin, le 14 mars, il y aura Jonathan Varry de la Commission scolaire de l'énergie qui va présenter le parcours d'apprentissage qu'ils ont développé là, pour les cours 52.01, 52.02. En fait, un parcours qui jumelle, là, je pense, là, les deux cours là, tout au long de l'apprentissage. Il y a, comme vous voyez dans le calendrier aussi, il y a encore trois dates pour lesquelles il n'y a pas de projet qui ont été présentés. Il y en a un qui va être comblé bientôt, là. Il y a possiblement, je ne vais pas y mettre de la pression, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais Alain Dumais de la Commission scolaire de Marguerite Bourgeois qui viendra présenter une démarche diagnostique qu'ils sont en train de mettre en place et d'expérimenter en FBC et une autre aussi qui sont en train de développer en FBD. Donc, ce serait probablement présenté là, au printemps. Puis naturellement, je reste à l'affût selon les thèmes que vous avez proposés dans le sondage pour trouver des gens qui pourraient éventuellement combler, présenter des points en lien avec ce que vous aviez signifié comme besoin. Donc voilà, écoutez, je vous rappelle que Mme Denise Mignot est avec nous aujourd'hui, elle est responsable du dossier français, du programme de français et de l'évaluation au ministère. Donc, lors de la rencontre du 4 octobre, on avait soulevé deux points importants concernant les balises sur les choix de romans, puis sur la feuille de notes pour la préparation de la production. Alors, je vais céder la parole à Denise qui va nous faire un petit topo là, justement sur ces deux points-là. Alors, je te laisse la parole, Denise. Merci Laurent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors pour le premier élément, voici ce que je propose. J'ai mis sur papier tous les éléments en lien avec le choix du roman. J'ai essayé de répertorier toutes les questions qu'on m'a adressées depuis l'année passée pour vous exposer le plus d'informations possible. Une fois que je vais avoir toutes fourni les informations, toutes les questions, je serai portée à vous suggérer pourquoi monopoliser toute la rencontre aujourd'hui, qu'on les recueille toutes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'après-cours en différé, leur permettre aussi d'adresser leurs questions. Il n'y a rien qui nous empêche au prochain après-cours d'apporter un suivi, là, de revenir sur les éléments. Parce qu'il peut y avoir des questions aussi qui vont surgir une semaine, 2 semaines. Alors, on pourrait faire un suivi de ce thème-là lors de la prochaine rencontre. Alors, dans un premier temps, j'aimerais cibler le choix du roman pour le FRA 41-01. Puis après ça, je vais vous parler du FRA 52-03 parce qu'il y a quand même des particularités dans le choix de roman pour ces deux cours-là. Et après ça, je vais donner des informations plus génériques. Alors, pour le FRA 41-01, ce qu'on nous demande, je reviens avec cette assise-là, c'est que le roman québécois choisi par l'adulte doit avoir été écrit en français par un auteur québécois d'origine, exemple Michel Tremblay, ou un Québécois d'adoption, comme Denis Laferrière. Une œuvre écrite dans une autre langue, puis traduite en français, n'est pas autorisée dans le cadre de cette épreuve-là. Donc, zéro traduction. Langue d'origine français. Le roman doit être différent de celui en cours d'apprentissage. Dans le libellé
il est mentionné que l'étudiant lit des extraits de romans en cours d'apprentissage et puis, il y a le puis, lit un roman. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers pédagogiques et d'enseignants qui demandent, oups, c'est pas clair. Est-ce que ça veut dire qu'il lit des extraits de romans en cours d'apprentissage plus un roman ou c'est le roman pour l'évaluation? Alors, en ce qui concerne le cours 4101, ce qui est demandé, c'est de lire des extraits parce qu'on veut que l'étudiant se familiarise avec une variété de romans de la francophonie. Alors, c'est des extraits. Il n'y a rien qui empêche de lire un roman au complet s'il le veut. OK? Il s'en sent capable. Mais il peut, quand on parle du roman, il est question du roman sur lequel va porter l'épreuve. Alors, c'est bien entendu, il peut suivre tout son cours et au terme de son cours, lire son roman et faire son épreuve, ou il peut commencer à lire son roman en cours d'apprentissage. Cependant, s'il lit son roman en cours d'apprentissage, en aucun temps, celui-ci doit être annoté. Il ne doit avoir aucune rétroaction de l'enseignant parce que c'est un instrument de l'épreuve. La lecture du roman arrive à la suite de la lecture d'extraits de divers auteurs. Le but du cours est de faire connaître plusieurs auteurs québécois. L'adulte construit ses connaissances à partir d'extraits de romans de divers auteurs et d'un roman complet s'il en a l'intérêt. Une fois les apprentissages réalisés, le cahier de préparation à l'épreuve lui est remis et choisit un auteur qui l'intéresse, fait la lecture d'un roman en vue d'en faire un compte-rendu répondant aux exigences décrites dans les documents liés à l'évaluation. Il est possible pour un adulte de lire un roman complet durant ses apprentissages s'il en a l'intérêt et le temps. Toutefois, aux fins d'évaluation, il devra choisir un autre roman pour les raisons évidentes. Notez que dans tous les cas, si le roman choisi en vue de l'épreuve est lu par l'adulte durant les apprentissages, il ne doit faire l'objet d'aucun commentaire de la part de l'enseignant. Les principales questions que j'avais par rapport à ce cours-là, c'était le puits, PUIS, entre il lit des extraits, puis lit un roman. Puis c'est vrai, c'est pas clairement indiqué que c'était un roman aux fins de l'évaluation. Fait que je tenais à le préciser. Au niveau de la reprise, pour ce cours-là, l'épreuve est construite d'une seule partie qui évalue deux compétences. L'adulte doit reprendre donc l'épreuve au complet. S'il apprend au complet, bien, on a la note pour la C1 et on a la note pour la compétence 2. En effet, comme il s'agit d'une seule partie d'épreuve, on ne peut pas considérer le résultat à une compétence indépendamment de l'autre. Alors, on ne peut pas dire, ah, il a passé pour sa compétence lecture, il a réussi. Vu que c'est juste une épreuve, il ne se fait pas en deux parties. Alors, qui échoue une compétence ou l'autre, il doit reprendre l'épreuve en entier. Les deux compétences sont évaluées lors de la reprise. Toutefois, comme indiqué dans les DDE, l'adulte n'est pas tenu de reprendre la partie préparatoire à l'épreuve si l'échec est causé à la note portant sur la compétence écrire. Donc, il n'a pas à relire si au niveau de sa compétence en lecture, il a réussi cette partie-là de l'épreuve, vous n'avez pas à reprendre la lecture de nos clés. Cependant, si la compétence en lecture n'est pas réussie, alors à ce moment-là, pas obligatoirement, mais en fonction du jugement de l'enseignant, on peut demander à ce que la partie préparatoire soit reprise. Donc, par conséquent, lors de la première tentative de l'adulte, le résultat global de l'épreuve doit être transmis à Charlemagne. S'il y a reprise, le nouveau résultat obtenu à l'épreuve, donc en additionnant les deux résultats obtenus aux compétences, bien, ça va être aussi retransmis à Charlemagne. Il se pourrait donc que l'adulte obtienne une note plus basse à la deuxième tentative, voire même qu'il échoue à une compétence qu'il avait réussie lors de la première passation de l'épreuve. Alors, en termes clairs, à une première épreuve, la première fois qu'il va passer son épreuve, la compétence lecture peut être totalement réussie et c'est son écriture qui fait en sorte qu'il ne réussisse pas l'épreuve. Et étant donné qu'il doit la reprendre au complet, c'est possible que les choses soient inversées et que à sa reprise, ça soit la lecture qui soit en faute. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver.
Alors, les principales, dans le fond, j'ai donné ce point d'information-là parce que beaucoup, étant donné qu'il y a des épreuves qui sont en deux parties, qui sont indépendantes l'une de l'autre et qu'on peut reprendre juste la première partie ou la deuxième partie, ce cours-là crée parfois une confusion étant donné que les deux compétences sont évaluées dans une épreuve qui comporte juste une partie. Maintenant, pour le choix du roman pour le sigle FRA 5203. Alors, il faut choisir un roman de la francophonie hors Québec pour créer une critique littéraire. Bon, le but de ce cours-là, c'est s'initier à la critique littéraire et que l'adulte découvre des œuvres et des auteurs francophones résidant hors Québec. Le roman qu'il choisira devra avoir été écrit en français par un auteur qui ne réside pas au Québec. À titre d'exemple, si l'auteur réside en France et que ses éditeurs sont français, elle pourrait donc être considérée, cet auteur-là, comme résident hors Québec. Toutefois, si cette même auteur a publié des œuvres en anglais et en français, il faut s'assurer que le titre choisi par l'adulte soit un roman qui est publié en français. Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait pas utiliser son roman traduit si cet auteur-là écrit en français et en anglais. Uniquement l'œuvre qui a été écrite initialement en français. La dernière fois, lors de la préco, on avait donné un petit point d'information là-dessus et j'avais aussi donné l'information considérant toute la population autochtone. Comprenez qu'ici, au ministère, on dessert tout le Québec et tout le territoire autochtone, c'est une priorité pour nous, comme aussi tout le milieu carcéral. Alors, lorsqu'on administre ces épreuves, il faut penser à toutes ces clientèles-là. Il faut être inclusif. Alors, pour le milieu autochtone, je rappelle, même quand on est sous juridiction des lois fédérales, on ne peut pas prendre quelqu'un qui vient du Nord-Québec et dire « Ah, on est hors Québec parce qu'on est sur les lois fédérales. » Alors, c'est vraiment deux choses séparées. On doit le considérer comme un auteur qui est en dehors des frontières géographiques du Québec, que ça soit clair. Ensuite, pour les types de romans, on me pose, là c'était pour les deux cours, maintenant, des questions qui me sont souvent posées en lien avec les types de romans. L'élève peut-il prendre des romans jeunesse? Ça m'est souvent demandé. Oui. Je vais répéter oui. Parce que souvent, on aimerait que le ministère dise beaucoup, beaucoup oui, puis on doit souvent dire des non. Alors, je vais répéter oui. On peut utiliser. Le ministère n'émet aucune interdiction particulière au niveau du choix de romans de par l'adulte. Pourquoi? Parce que le choix du roman doit plutôt reposer, d'une part, sur l'intérêt qu'il représente par l'adulte. La motivation à la lecture, c'est une préoccupation que nous avons aussi au niveau ministère, afin que l'expérience soit agréable, voire passionnante. Sélectionner un roman en fonction de sa catégorie ou en fonction du nombre de pages pourrait priver l'accès à une quantité d'œuvres intéressantes, qu'elles soient plus courtes ou plus longues que le standard établi. Soulignons finalement qu'une même œuvre peut contenir 200 pages ou 300 pages selon la maison d'édition. Pensez aux éditions de poche, entre autres, comparées au format des grands formats. Ceci étant dit, le choix doit répondre aux attentes du cours, cependant. Alors, le roman proposé par l'adulte doit non seulement répondre à ses intérêts, mais il doit aussi permettre de démontrer les apprentissages réalisés qui sont prévus dans le cours concerné. Donc, à cet égard, la description de chacun des cours du programme fournit des balises nécessaires à l'enseignement pour juger la pertinence du choix. Au final, le jugement de l'enseignant est essentiel et celui du conseiller pédagogique, précieux. Alors, finalement, quand on dit qu'on accepte le document jeunesse, il ne faut pas le voir en termes réducteurs, il ne faut pas le voir en termes « oh, on peut prendre en termes de facilité ». Alors, c'est pas dans le but de donner un roman, il ne faut pas voir un roman qui est destiné à un élève de deuxième cycle du primaire. Ce n'est pas du tout dans l'élément réducteur. C'est qu'on a des romans jeunesse qui sont drôlement bien faits, on a des belles variétés et on a des romans jeunesse qui justement offrent des opportunités, un vocabulaire, un champ lexical, des repères culturels qui sont aussi forts qu'un roman qui n'est pas de cette catégorie-là. Alors, c'est comme hors de question de tasser cette belle catégorie-là de romans. Alors, l'autre question qui m'est souvent posée, pourquoi les élèves ne peuvent pas annoter leur roman?
parce que les enseignants mettent beaucoup d'accent sur les stratégies de lecture et on doit les enseigner, même si on n'évalue pas les stratégies. Elles sont prescriptives au niveau du programme et la notation fait partie des stratégies. Alors, il y en a souvent qui se lèvent, bon, mais c'est comme un non-sens que lorsqu'on arrive en période d'évaluation, qu'ils ne puissent pas noter son roman. Alors, même s'il s'agit d'une stratégie de lecture qui est utile en situation d'apprentissage, on n'a pas besoin de l'expliquer, ça va de soi, le contexte quand même de la situation d'évaluation aux fins de sanction, ça ne peut pas permettre la notation directement dans un roman. En effet, toutes les notes prises par l'adulte sur le roman doivent être consignées sur une seule feuille, c'est la feuille recto-verso, et c'est la fameuse feuille de notes qui est fournie dans le cahier préparation de l'épreuve. Et ça pour des raisons de justice, d'égalité et d'équité. Exemple, qu'est-ce que je veux dire en termes clairs? Un adulte qui emprunte son roman dans une bibliothèque municipale parce qu'il n'y a pas le moyen de les acheter, il n'a pas le droit d'annoter dedans. Alors, on ne pourrait pas permettre, un arrive avec une annotation, puis l'autre pas. Ça obligerait l'enseignant à tout vérifier le roman pour aller vérifier toutes les notes. Alors, c'est ça. Ça ne peut pas s'appliquer. Même si la stratégie, elle est bonne, elle ne peut pas s'appliquer en contexte d'évaluation. Cela dit, l'adulte pourra noter son roman sur des notes adhésives tout au long de sa lecture, là, sur les fameux petits post-it, en y écrivant le numéro de la page, par exemple. Mais par souci d'équité, il devrait être cependant tout recopié sur sa feuille de notes parce que c'est vraiment la feuille de notes, c'est le seul document sur lequel il peut y avoir des notes. Est-ce qu'on peut utiliser le roman graphique? Alors, j'ai dit oui tout à l'heure, ça ne peut pas être toujours oui. Dans ce cas-ci, c'est non. Le roman graphique n'est pas accepté. Alors, excusez mon humour, mais il n'y a pas mort d'homme parce qu'on dit un non. Alors, il faut placer les choses dans son contexte. Alors, même si le roman graphique, là, d'après toutes les recherches qui ont été effectuées, même si souvent il est volumineux, puis qu'il est très profond, il est plus profond qu'une bande dessinée, le roman graphique demeure quand même principalement constitué d'illustrations. Dans la définition qu'on en donne, il est plus près de la bande dessinée que du roman, et l'histoire se lie essentiellement par l'image, d'abord par l'image, même s'il y a du texte. La définition du roman graphique demeure quand même à l'heure actuelle un peu floue. On dirait qu'on pourrait parler d'un roman dessiné. Alors, mais les titres qu'on nous donne toujours à titre d'exemple, « Madame, où est-ce qu'on peut avoir tel titre? » Quand je fais des recherches au niveau des libraires et au niveau des bibliothèques qui sont consultées, on l'associe toujours à la bande dessinée. Or, le but du cours, c'est d'initier la critique littéraire et de faire la critique d'un roman de littérature francophone. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas accepté. Moi, ça fait le tour des informations que j'avais le goût de transmettre par rapport au roman. OK. Alors, la question, c'était par rapport à des romans séries, style Anne Robillard, Les Chevaliers d'Émeraude. Est-ce qu'en 41-01, l'élève a le droit de lire... Bon, un roman série. Je préfère être prudente et je préfère que vous notiez votre question et que j'aille vérifier personnellement les titres que vous m'avez donnés. Et parce que là, pour l'instant, ce ne sont pas des œuvres que j'ai lues. Alors, je voudrais aller les vérifier pour être certain. Moi, je ne veux pas dire un oui, puis après ça, dire un non. Je préfère le jouer de sagesse et d'aller valider. Et quand je dis un oui, ben, ça va rester oui. Et cette question-là, s'il y a d'autres cas de figure comme ça, là, je le dis pour tout le réseau qui va entendre la question de cette dame-là, si vous avez justement des collections, des séries, que vous n'êtes pas certain, tous les cas de figure, c'est bien de les transmettre directement ou par Laurent. Et on va analyser ces situations-là. Parce que bien souvent, quand quelqu'un pose une question, c'est ça l'enrichissement de la question. Ça donne, là, les cas de figure apparaissent. Et je dis, ah oui, mais pour tel, tel. Alors, on pourra tout traiter ça. Merci pour votre question. Tu vas poursuivre, je présente avec les feuilles de notes pour la préparation de la production. J'ai fait mes devoirs. Alors, suite à l'autre après-cours, ce que j'ai fait, j'ai commencé à préparer un document. Là, je pense qu'on peut voir...
il est écrit document de travail. Alors, j'ai essayé de sortir tous les petits éléments en lien avec la feuille de notes. Alors, j'anticipe déjà votre question. Est-ce qu'on va avoir le document? Alors, je vous l'ai montré, il est en filigrane, il est écrit document de travail parce que c'est un document de travail. Vous savez que le ministère ne dépose jamais un document lorsqu'il est en cours de réalisation. Mais je veux vous mentionner que suite à le premier après-cours, je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le réseau. Donc, là, vous voyez déjà, c'est enclenché. Le but, c'est de produire un document que, par la suite, une fois qu'il va être tout finalisé, qu'on va avoir tout analysé, les cas de figure qui peuvent s'y greffer, de pouvoir le déposer sur notre site d'accompagnement, voire même le présenter lors d'un atelier d'un événement national. Alors, l'objectif est vraiment d'arriver à vous proposer un outil qui va être aidant pour vous. Alors, mais aujourd'hui, je vais en faire la lecture, donc ça vous donne une bonne idée vers quoi ça va se diriger. Alors, je sors ça en vrac. On est rendu là dans notre étape. Alors, seul le matériel précisé dans les guides d'administration des épreuves, des définitions de domaine, d'évaluation de la formation générale des adultes, les DBE, ou les directives accompagnant les épreuves, est autorisé pour les épreuves ministérielles. La feuille de notes doit respecter les consignes présentées dans les divers documents liés à l'évaluation. Il est interdit de modifier les feuilles de notes d'une quelconque façon dans les cahiers préparatoires des épreuves de français et langue d'enseignement. On ne peut même pas dire « j'enlève les lignes ». On ne touche pas à ça. Il est interdit de retirer les lignes de la feuille de notes pour la lecture et l'écriture, parce que pour les oraux, c'est une feuille non liée. Et la personne responsable de l'évaluation à l'intérieur de la commission scolaire doit photocopier les documents dans leur présentation originale. Seule la feuille de notes jointe au cahier préparation à l'épreuve est autorisée comme feuille de notes. La feuille de notes doit être rédigée sous forme télégraphique, c'est des mots-clés ou des courtes expressions. Alors ça, des fois, on me dit, il a écrit une phrase, mais il n'a pas mis le verbe. Parce qu'on a des gens très astucieux. Non, c'est pas, on ne faut pas jouer à ce niveau-là. C'est vraiment là, des courtes expressions, des segments qu'on doit avoir ou des mots-clés. La feuille de notes doit comporter aucune phrase complète, sauf les citations. Alors, celles-ci doivent être encadrées des guillemets et la source doit être précisée. Là, je vous répète des choses qu'on retrouve déjà dans la DBA. Le rôle de la feuille de notes vise à consigner des informations pertinentes pour traiter du sujet et recueillir des informations utiles. Là, ça, c'est où il y a le plus de questions à ce sujet-là. La feuille de notes n'est pas là pour servir de plan de rédaction ou de guide de correction ni de révision. À ce sujet-là, dans les nouvelles DBA qui vont sortir au cours de l'hiver, j'ai ajouté une note à cet effet. Alors, on n'accompagne pas l'étudiant en salle d'évaluation avec le fameux document maison que vous avez préparé avec beaucoup de bonnes intentions, puis qui sont dans l'énergie, puis sont dans le courant du programme de développer des stratégies. On les développe, les stratégies en formation, en cours de formation. Et ces stratégies-là qui ont été développées pour rédiger un plan, pour corriger, pour réviser, ils doivent, ces compétences-là, être mobilisées en période d'évaluation. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils les amènent, parce qu'on veut voir s'il est capable, est-ce qu'il a développé sa compétence à rédiger ça. Donc, la feuille de notes, le mot que je pourrais dire, pour que ça soit bien compris, parce que la feuille de notes, ce n'est pas ce que l'on retrouve dans les manuels en cours d'apprentissage. Et la feuille de notes n'est pas ce qu'on retrouve non plus au secteur jeune. C'est totalement différent. Pour le secteur général adulte, la feuille de notes, c'est comme la mémoire du texte. Alors, c'est le mot mémoire, je pense, qui pourrait peut-être faire le plus sens. On lit quelque chose, on regarde un reportage. On veut se souvenir des éléments du texte et c'est ça qu'on met sur la feuille de notes. C'est son but à cette feuille de notes-là. Alors, si je continue ma lecture, l'adulte peut organiser ses notes de sorte qu'elles lui servent de plan pour la rédaction de son texte.
Là, cette phrase-là, je vais la répéter. L'adulte peut organiser ses notes de sorte qu'elles lui servent de plan pour la rédaction de son texte. C'est, selon moi, cette petite directive-là qui peut susciter beaucoup plus de cas de figure ou qui peut glisser. Il n'y a rien qui empêche, et c'est là dans le deuxième temps, là, j'ai mis les notes par écrit, mais dans un deuxième temps, je veux recueillir, bâtir un document où on verrait des exemples et des contre-exemples de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Et tout de suite, j'en profite pour vous solliciter. Alors, à chaque fois que vous arrivez vis-à-vis des situations au niveau des feuilles de notes, vous dites, hey, cet élément-là, est-ce qu'il est accepté ou pas? Je vous invite très fortement à m'en faire part, à me l'envoyer. Et dans le document qu'on va préparer, ça va nourrir nos exemples et nos contre-exemples. Parce qu'on a beau donner des balises, mais des fois, une explication, ce n'est pas suffisamment clair. On a besoin d'avoir un exemple concret. Alors, ça, c'est le deuxième partie du travail que j'ai réalisé au cours de l'année. Alors, où j'en étais? L'adulte n'a pas le droit de se faire un brouillon à partir d'un canevas sur sa feuille de notes. Il est interdit de fournir à l'adulte un guide de rédaction d'autocorrection. Ça ne doit pas servir à consigner des trucs ni des stratégies d'autocorrection. L'adulte ne peut pas intégrer un code de correction sous forme télégraphique. Et l'adulte ne doit pas indiquer la page de la grammaire à laquelle il peut se référer. Parce qu'on veut aller voir s'il est capable d'y aller. C'est une des compétences qu'on veut aller voir, c'est immobiliser. Donc, l'enseignant devrait juger que la feuille de notes ne contenant que des règles grammaticales, même écrites en style télégraphique, n'est pas autorisée. Ceci ne signifie pas, par contre, que dès que l'enseignant trouve une petite note sur une règle de grammaire, que la feuille devrait être refusée. Il faut utiliser le bon jugement professionnel pour juger de l'importance de l'écart. La feuille de notes doit être rédigée par l'adulte. Elle doit faire preuve, cet adulte-là doit faire preuve d'autonomie et donc être en mesure de déterminer lui-même les éléments importants qui doivent apparaître dans son texte et de structurer celui-ci de façon adéquate. Cela fait partie des savoirs puis des savoir-faire qu'il doit avoir intégrés puis qui permettront de démontrer sa compétence. La feuille de notes ne fait l'objet d'aucun commentaire ni aucune évaluation de la part de l'enseignant, de l'enseignant, de l'enseignant. Dans la DDE ne précise pas que la feuille de notes doit être manuscrite. Donc, la feuille de notes rentrée à l'ordinateur est donc acceptée en autant qu'elle corresponde aux paramètres établis dans la DDE. L'adulte peut annoter sa feuille de notes en orientant un portrait au paysage. Des fois, on me pose cette question-là. Là, on va me dire, bien, il est lié, la question ne se pose pas. Oui, parce que s'il voulait faire un organigramme, il pourrait décider de le placer très bien dans l'autre sens. Au moment de la remise du document préparation à l'épreuve, où l'enseignant doit s'assurer que l'adulte comprend bien la tâche accomplie, il est opportun de rappeler et d'expliquer au besoin les consignes liées à la feuille de notes. Au moment où l'enseignant récupère le document préparation à l'épreuve ainsi que la feuille de notes, l'enseignant peut procéder à une première vérification et rappeler les exigences des écarts de coefficients. Si l'adulte ne procède pas au correctif requis pendant sa période de préparation et qu'il se présente au moment de l'évaluation avec une feuille de notes qui est non conforme, bien, cette dernière doit être refusée et l'adulte devra réaliser son évaluation sans ce support. En cas d'échec, si celui-ci est causé uniquement par l'évaluation de la compétence écrire des textes variés, l'adulte n'a pas à refaire toute la partie de préparation à l'épreuve et sa feuille de notes originale peut lui être mise en salle d'évaluation lors de la reprise. C'est seulement dans cette situation que l'adulte est autorisé à utiliser sa feuille de notes originale. Ce que pour finir, c'est que bien souvent, beaucoup de gens ont de la difficulté à accepter que ça soit différent du secteur jeune. Alors, je me sens le besoin de faire une précision là-dessus. Alors, oui, le secteur jeune, le secteur adulte, on a toujours le souci d'arriver. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise au secteur adulte, on fait toujours devoir d'aller voir ce qui se passe au secteur jeune. Et ça, ce n'est pas une corvée parce que je suis moi-même un produit du secteur jeune. J'ai fait une grande partie de ma carrière là. Alors, oui, je trouve ça important d'arriver. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Et on ne peut pas toujours magasiner, ah, pour tel élément, oui, on va aller chercher au secteur jeune, tel autre, non.
l'image que je vous donnerais, c'est comme une pièce d'un dollar. Quand vous regardez une pièce d'un dollar, il y a deux faces à cette pièce-là. Et c'est les deux faces d'une même valeur. Alors, le secteur jeune et le secteur adulte, c'est deux façons d'obtenir un diplôme secondaire 5, mais c'est deux versions différentes d'une même médaille, d'une même pièce. Alors, on ne peut pas toujours, on a des particularités qui nous sont propres. Alors, pour la feuille de notes, elle est ceux qui pensent qu'on va venir à la faire au secteur jeune, ils ont les raisons pour le faire, mais nous, ça ne prendra pas. C'est pas dans les visées ministérielles au niveau du secteur adulte de prendre cette visée-là parce que dans la compréhension et l'interprétation que nous avons du programme et du développement des compétences, de mobiliser les stratégies de lecture et d'écriture en situation d'évaluation sont des stratégies qu'on veut se voir mobiliser. Je vois la question de Marie-Josée. Pour la communication orale, est-ce que l'adulte peut utiliser un aide-mémoire autre que la feuille de notes? Je reviens à un des premiers éléments. Le seul matériel autorisé, c'est celui qui est indiqué dans les instruments de l'épreuve. Alors, la réponse est non. On ne peut pas utiliser autre chose, aucun document maison, que l'aide-mémoire ou la feuille de notes. Que le terme utilisé est différent d'une... Et les élèves ayant droit au traitement de texte comme les autres interprétés, peut-il faire une feuille de notes sur un document oral? Alors oui, je l'ai mentionné là, au cours de l'exposé, oui. Il n'y a rien dans la DDE qui indique qu'on n'a pas le droit que la feuille n'a pas. En autant qu'on respecte les mêmes balises que pour la feuille manuscrite, oui, c'est autorisé. Et il n'est même pas indiqué en mesure d'adaptation. Denise? C'est sûr que si l'élève utilise le traitement de texte, il n'y aura pas de feuille, il n'y aura pas de ligne sur sa feuille. Par contre, ce ne sera pas le document qu'il y a exactement dans le document de préparation. Oui, mais quand on travaille sur, effectivement, sur Word, oui, ça c'est officiel, la feuille n'a pas de notes. Mais ça s'écrit de façon linéaire. Et c'est bien entendu que ça doit respecter tous les paramètres. S'il travaille sur Word, il faut enlever toutes les configurations qui pourraient donner des outils qu'un étudiant qui fait sa feuille de notes au niveau manuscrit n'a pas, là, bien entendu. Okay. Donc, on est dans le virement numérique aussi, alors ça s'insère dans... Ça n'a pas été mentionné lors de la création des DDE et des outils d'évaluation, mais vous savez, là, avec tout le virage numérique, on commence à l'amorcer. Alors, cette question-là s'est imposée à nous. Il y a aussi Florence qui pose une question en lien avec l'intervention de Brigitte, c'est que concernant le traitement de texte, là, est-ce que c'est une mesure d'adaptation pour les élèves en difficulté ou c'est pour tout le monde peut l'utiliser? C'est une mesure universelle. Parfait, merci beaucoup. Puis il y a Christian Roy aussi qui ajoute en production orale l'utilisation d'un logiciel de présentation comme PowerPoint. Peut-il servir aussi de note pour l'élève? Un support visuel là, lorsque l'élève fait sa production orale? Il y a un cours où que justement il est autorisé d'avoir un support audio, un support visuel. Est-ce que ça sert de note? Et je serais portée à dire oui, le PowerPoint. Le PowerPoint fait partie, quand le cours permet ce support-là, oui, ça lui sert pour les notes, en autant, encore une fois, que c'est les mêmes balises, que c'est des segments, c'est des mots-clés, et non un texte. Alors, si son PowerPoint, il y a des phrases complètes, ça, puis il y a tout son plan écrit, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit vraiment, vraiment les mêmes balises que la feuille de notes. Et il y a Marie-Josée Tessier qui ajoute, je pense que l'aide-mémoire en C3 peut être personnalisée, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle veut dire par personnalisée? Marie-Josée, tu peux prendre la parole peut-être, Marie-Josée, pour... l'adulte peut utiliser des cartons. Ben, Denise... Oui, bien, c'est ça. Quelqu'un en particulier, il y a un cours, je ne vais pas le nommer parce que là,
les pantalons, ou qu'on a droit à un support audio, un support visuel, alors au même titre que l'étudiant pourrait utiliser la présentation PowerPoint, il pourrait aussi utiliser la bonne vieille méthode du grand carton pour afficher au tableau, là. Ben oui, mais c'est un peu ce que je fais en classe. Moi, l'élève utilise des cartons, aide-mémoire, c'est toujours des mots-clés, ça respecte les balises, mais c'est pas la feuille de notes qui est dans le guide d'administration. Non, mais dans le cours qu'on a droit à, je peux aller revérifier, mais si sur son carton, il a les mêmes éléments qu'on retrouve sur sa feuille de notes, pour le moment, à première vue, je ne vois pas d'offense. OK, merci. Moi, Denise, j'ai une petite intervention à faire concernant la feuille de notes, puis ça va faire le pont aussi avec l'autre point dont tu as traité avant concernant le roman. Puis en fait, c'est la feuille de notes dans tout le processus de préparation hein, à l'évaluation pour le roman. Ça vaut pour le 01, 42-01, puis le 52-03. Parce qu'on me pose souvent cette question-là. Je te l'avais posé aussi par courriel, tu m'avais répondu, mais je te la repose pour le bénéfice du groupe, là. Je voulais juste la rappeler, c'est qu'il y a des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent en apprentissage hein, des espèces de feuilles de notes là, préformatées, là, hein, où on guide l'élève, un peu comme on le faisait dans l'ancien programme, on guide l'élève pour aller chercher les éléments dans son roman. Lorsque l'élève arrive en évaluation, on lui remet son cahier de préparation, là, il a sa feuille de notes. Là, maintenant, l'élève, lui, il peut aller choisir. En fait, la question, c'est peut-il aller choisir les supports ou aller fouiller dans son cahier d'apprentissage ou dans les documents que son enseignant lui a donnés? Puis s'il prend la fameuse feuille qui est balisée qu'on lui a donnée lors de ses apprentissages, puis il l'utilise de son propre chef pour guider sa lecture de roman pour l'épreuve, est-ce qu'on est correct? En fait, c'est la question que les enseignants me posent. C'est vraiment la question qui tue ça. Parce qu'il y a une partie, quand je vais reprendre, je voudrais reprendre l'information que j'ai donnée concernant, quand on dit, il est indiqué que l'adulte peut organiser ses notes de sorte qu'elles lui servent de plan pour la rédaction de son texte. Alors, qu'à un moment donné, qui encercle une information, qui dit « Ah, ça, je vais m'en servir comme premier argument. OK, ça, je vais m'en servir comme… » Oui. Mais si on arrive… Mais là c'est là la frontière, puis que ça va être important d'arriver avec des exemples concrets qu'on va montrer en exemple, en contre-exemple. Mais si il y a comme il peut y avoir des éléments qui organisent, mais s'il arrive et qu'il a mis vraiment une structure qui a copié, là, coupé, collé directement, non. Parce que c'est le même principe que si c'est l'enseignant qui lui avait donné. Donc, plutôt que ce soit l'enseignant, l'enseignant n'a pas le droit de leur donner un cahier, un plan organisé. Nous, moi, comme enseignant, je n'ai pas le droit de le donner, mais toi, va le copier. Parce que si toi, tu le fais, c'est correct. Comprenez-vous? Fait que ça, là, c'est pas à ce petit jeu de chat et souris-là qu'on veut aller. Mais ceci étant dit, quand on dit ça, on part pas du nord pour aller au pôle sud. Dans le sens que, oui, il y a une certaine organisation qui doit se faire par rapport à ces notes, mais on ne doit pas sentir qu'il est parti d'un plan puis qu'il a accroché des éléments, mais plutôt qu'il est parti de la mémoire de ce qu'il a écouté, de ce qu'il a lu, et qu'au fur et à mesure qu'il met ses affaires, il se met des indices à côté pour l'aider à organiser son plan. Là, c'est là que ça peut glisser, puis ça va être vraiment, je le redis, et si vous avez des exemples, ça serait vraiment profitable que vous me les envoyiez pour qu'on puisse vraiment vous en faire profiter. Parce que là, il y a comme une ligne à respecter et ça peut jouer, on en est conscient. Merci beaucoup pour les précisions. N'hésitez pas à poser des questions et faire parvenir à Laurent, ça va faire toujours un plaisir de répondre à vos questions le plus possible. Alors, sur ce, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous inviterais, s'il y en a qui sont intéressés par cet élément-là, là, des préalables spécifiques que l'élève doit réaliser en français pour accéder à des programmes particuliers en formation professionnelle, allez consulter le forum dans Moodle. Il y a des questions qui ont été posées à ce sujet-là par Catherine
Et il y a des réponses très, très pertinentes qui ont été amenées de part des collègues de différentes régions. Moi, ce dont je voulais vous parler, le retour sur l'activité de transfert de connaissances sur la littératie, écoutez, je vais simplement vous l'énoncer. Il y a deux semaines, une présentation, un retour sur ce qu'on appelle une activité de transfert des connaissances sur la littératie, où on nous a communiqué des résultats de recherche qui ont été faits dans le milieu de l'éducation, notamment en information générale des adultes et en formation professionnelle. Dans le bloc-notes collaboratif, je vous ai mis un lien vers l'enregistrement de ce transfert de connaissances-là, où on voit trois recherches, en fait. La première, c'est on fait une synthèse des connaissances là, sur les approches et les pratiques pour diminuer les difficultés en lecture et en écriture chez les 15-19 ans inscrits à la FGA et à la FP. Donc, en fait, c'est un relevé de différentes pratiques gagnantes qu'on pourrait utiliser en classe pour accompagner les élèves. Il y en a une autre qui était aussi la présentation d'Éric Falardeau sur l'expérimentation d'une démarche d'enseignement explicite des stratégies d'écriture à l'aide d'un traitement de texte. Donc, encore là, vous allez trouver des pistes intéressantes en écoutant la vidéo. Et la dernière sur laquelle j'attire votre attention, c'est enseigner à mieux lire dans le contexte de l'enseignement de métiers en formation professionnelle du secondaire. C'est la troisième présentation. Si vous regardez la vidéo dans YouTube, là, c'est la troisième présentation qui a été faite par Mme Chantal Ouellette, où elle démontre en fait l'efficacité de l'approche Reading Apprenticeship sur l'enseignement explicite des stratégies de lecture. Donc, on voit, là, elle démontre clairement comment les élèves se sont améliorés en utilisant, en fait, quand les enseignants ont recours à cette approche-là en classe, en FP. Donc, c'est vraiment des chiffres intéressants, là, des résultats vraiment renversants à voir. Donc, je vous invite à la visionner, cette vidéo-là là, sur YouTube. Vous pourrez voir là, justement ces trois recherches-là. Alors, écoutez, 1h05, ça fait le tour des points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la rencontre. Si vous avez des questions, d'autres questions, vous pourrez me les envoyer. Marie-Josée, là, qui a levé la main. Oui, Marie-Josée? Bien, j'ai encore des questions sur la feuille de notes parce que je sais qu'on a eu des belles précisions, mais quand j'ai posé la première question sur la communication orale, je dis, est-ce qu'on peut utiliser un aide-mémoire autre que la feuille de notes? La réponse de madame, c'était non. Puis par la suite, le PowerPoint est permis. Puis par la suite, les cartons sont permis. Fait que là, je comprends pas. Je vais reposer la question à madame Mignot. Peut-être qu'elle pourrait y revenir à la prochaine rencontre. Là. D'accord, merci. José, merci. Donc, écoutez, il y a Marc-André je vois que Marc-André Blais a mis un lien vers les recherches en question dont j'ai parlé, là, où vous allez pouvoir les télécharger. Voilà. Alors, écoutez, je vous invite à participer à la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de décembre, le premier jeudi de décembre, où je vous rappelle, ce sera Mylène Goulet qui présentera le jumelage de cours dans leur centre, les cours 31-01-02, et en cinquième secondaire aussi, 52-01-52-02. Donc, voilà, ça fait le tour. Alors, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, envoyez-les écrivez-moi, ou sinon, vous pouvez toujours les poser aussi dans le forum, dans Moodle. Donc, s'il y a des questions qui sont d'intérêt général, là, on peut les ramener après ça là, à Mme Mignot. Donc, merci beaucoup, et bonne fin de journée à tous.